Quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre d'un proviseur par rapport aux directives de l'éducation nationale? En quoi peut-il ou peut-elle réformer l'organisation du travail au sein de son établissement? Eh bien, vous allez voir qu'ils sont de plus en plus nombreux à mettre en place de nouveaux outils afin de faire évoluer leur pédagogie. Quoi de neuf à l'école? Reportage Mathieu Lignot, Lou Cricorian, Dominique Mass. Vous mettez par groupe de travail. C'est peut-être la classe de demain. Fini les élèves en randonnion, ici ils sont mobiles, sur des chaises à roulettes. Par groupe de 3 ou de 4 et commencer à remplir votre... Ici on travaille en groupe, alors que dans la classe normale on travaille tout seul. Fini les cahiers de sciences, place aux tablettes numériques. Vous flashez le code et puis c'est parti. Et okay. Pour la professeure, fini le tableau noir. On va pouvoir avancer. Une petite révolution pour retrouver le plaisir de travailler, le plaisir d'apprendre. Les élèves sont plus motivés. Tu voulais un peu d'aide. Et la professeure enseigne autrement. C'est un travail complètement différent parce que comme vous le voyez, je suis plus du tout en frontal. Je suis plutôt à accompagner les élèves et ça me permet, par exemple, je sais qu'il y a des groupes qui se débrouillent très bien sans moi, ça me permet d'aller accompagner des élèves qui auraient besoin d'un peu plus de temps. Cette classe du futur, c'est cette principale qui l'a imaginée. Partout dans le collège, Valérie Linco a créé des espaces de travail qui n'en ont pas l'air. Elle s'est inspirée de la Norvège et de la Suède. Les pays du Nord, ils disposent de plein de petits endroits pour travailler de façon tout à fait informelle. Et vous voyez, là, mesdemoiselles sont en train de faire un travail pour l'art plastique, a priori, sur des banquettes. Nous ne sommes pas en salle de permanence, pas en salle de classe. Et est-ce que vous limitez... Elle va même jusqu'à installer ses élèves dans des poufs. Une décontraction qui leur permet de mieux participer. Quand tu t'inscris, bah, ou alors... Ça fait vraiment moins collège, quoi. Et donc, enfin, je sais pas, ça me fait un peu penser à chez moi, quoi, parce qu'on est vraiment, comme chez nous. Ça donne un peu plus envie de travailler. Coût des investissements, 16 500 euros. Et ici, pas de subventions exceptionnelles. La principale a utilisé le budget annuel du collège, ni plus ni moins. Et le projet est si innovant que d'autres professeurs suivent le cours, en direct, grâce à ce robot. Leur objectif, tenter l'expérience dans leur établissement. D'autant que les résultats sont là, 90% de réussite au brevet cette année, contre 70% il y a 4 ans. Ce n'est pas une classe test. Valérie Linco n'a pas été missionnée par sa hiérarchie. Elle a juste profité d'une marge de liberté qui existe pour les principaux. Mais tout de même, elle souhaiterait encore plus d'autonomie des établissements. Plus l'établissement bénéficie d'une autonomie, plus il s'adapte à son besoin local. Or, les besoins ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, d'une municipalité à l'autre.